I'm starving. Et non! Elle arrête de nous embêter avec genre elle est affamée, elle a faim, elle a soif. Parce que on a plein de viande à manger. Donc c'est cool. En tout cas, bienvenue. Bienvenue pour un nouvel épisode de la survie où il nous faut un arc, un nouvel arc. Alors, dis-moi qui fait bon. Ah, c'est pas magnifique, mais bon. On va faire un peu le tour de l'île. Donc notre but, ça va être de rester en vie pendant 10 jours, ici. Parce qu'il faut qu'on attende que la peau sèche. La peau de l'élan de la dernière fois qu'on a récupéré. Alors là, on a une carcasse de cerf. Je sais pas si ça vaut le coup de la prendre, la carcasse de cerf, honnêtement. Je pense pas. Ce qu'on voudrait, nous, c'est faire du bois, récupérer du bois. Mais il fait quand même encore très froid. Récupérer du bois, ça va être compliqué. Ça va être quand même très compliqué. Parce que là, on a du bois, mais on peut pas le couper, parce que sinon on va avoir froid. Enfin, après, on peut se faire violence. On peut aussi se faire violence et vraiment couper, quoi. Ah, je sais où on pourrait faire du feu, maintenant que j'y pense. J'avais complètement oublié. C'est dans la descente, en fait. On est dans un tunnel. Là, on devrait pas avoir de vent. Ah, j'y avais pas pensé la dernière fois. En plus, je crois que je l'avais dit une fois à un moment. Ouais, dans le tunnel pour descendre vers la plage, là. Pas la plage. En théorie, ça devrait être complètement protégé du froid. Du vent, pardon. Le feu. Ouais, on va faire ça. On va déménager toute la viande qu'on a. Par contre, je vais être honnête, je voudrais vraiment pouvoir trouver juste un seul bois pour faire un arc. Je pensais vraiment pas qu'on allait avoir ce problème là. Je suis assez surpris qu'on ait ce problème là en fait. Je suis assez surpris. Même sur l'île en plus. Ah bah tiens. Oh non, ça en est. Yes. Oh mon dieu, enfin. J'allais dire, je suis surpris que sur l'île, il n'y en ait pas en fait. Parce qu'on avait récupéré des bois pour faire des flèches. Mais pas pour, pour faire des arcs. Honnêtement. Attends, on est déjà en surpoids? On est aussi lourd que ça? Qu'est-ce qu'on a sur nous? Alors, on va d'abord rentrer. Par contre, les corbeaux, ça arrête pas, là. Il y a combien de cadavres autour de nous, là? 30? Faut voir combien de bois on a récupéré. Ah, c'est par là. Yes, on va pouvoir faire un arc. En plus, on a des boyaux qui sont en train de sécher. Très content. Très très content. Ouais, genre un feu là-dedans, là. Bon, après, par contre, c'est en ligne droite. Hein. Si on doit descendre ou monter, on a intérêt de bien faire le feu. Hein. Par contre, je crois que c'est 3 nuits. Mais bon, au moins, on a les bois, c'est déjà ça. Oh, c'est 6. Oh, la vache. Et ça aussi, c'est 6. Non, c'est 4. Oh, mon Dieu, c'est 6 jours, quoi. Ah, bah, putain. Ouais, on va camper ici hein, pendant un moment. Hein. Je suis désolé, mais... De toute façon, on a l'ours, on a l'élan. Ah oui, c'est vrai qu'on avait l'ours, j'avais complètement oublié.
Les trucs, ça c'est quoi? C'est 5 jours. Ah, ça, en fait, je pensais que c'était moins, mais en fait, non. Tout est très. Tout est très élevé. Il y a que. Même ça, ouais, c'est 3. Ouais. Non, c'est vrai que dans cette saison, en fait, on a l'habitude d'avancer assez vite comparé à avant. Donc, c'est pour ça que dans ma tête, je me suis dit, tiens, bon, c'est vrai que c'est rapide et tout. Mais en fait, non, hein, c'est quand même bien long. C'est juste qu'on va un peu plus vite que la normale. En ce moment. On va voir si on peut faire du feu. Là-bas, dans la descente, là. Ah oui, et pourquoi je suis aussi lourd, moi? C'est à cause du bois, c'est tout? Attends, on a plein de charbon. Ouais, tiens. Après, on a un cadavre à fouiller encore. On a un cadavre ici. On n'est toujours pas allé. On était proche parce qu'on a tué l'élan. En fait, on a combattu l'élan là, puis après, on l'a tué ici. Mais là, on a toujours un cadavre. On n'est toujours pas allé le voir. Ah oui, par contre, il y a une grotte là. Oh, qu'est-ce que tu me fais là, carte? Il y a une grotte là. Faudra aller voir la grotte. Et ça, on l'a pas récupéré aussi, je crois. Putain, mais nous, on est descendu. Où? On est descendu plutôt là, du coup. Et pas là. Carcasse de loup. On n'a pas vu de carcasse de loup. Cadavre gelé. Ok, il y a encore... Ouais, ok. Il y a des trucs à explorer sur l'île encore. Bon, ce qui fait un peu chier, c'est qu'à chaque fois, il y a du brouillard. Quoi. Ça devient vraiment, vraiment relou, hein, cet endroit. C'est... Ouais. Ouais. J'avoue que le côté relou, en fait, c'est... On avait mis quoi dedans? On a un bon côté relou, c'est que... C'est souvent brouillard, on voit strictement rien. On peut pas vraiment prendre bien regarder. Et ben voilà, suffisait de se plaindre. Dans la vie, il faut toujours se plaindre, ok? Bon, fais voir. Genre là, du coup. Est-ce que je peux faire un feu, en fait? Genre ici. Ouais. Ouais, on peut faire un feu là. Nickel. Nickel. Alors attendez, je vais me réchauffer au maximum. On va juste, genre, casser un truc. Par contre, j'ai peur qu'on ait un ours ici, mais bon. Parce qu'il y a une grotte et tout. Ça m'étonnerait quand même. On a tué l'ours où, nous? Ah non, on était grave loin, en fait. On n'était pas là du tout quand on a tué notre ours. Alors, c'est possible qu'il y ait un ours ici, hein. Je vais être honnête, hein, c'est fort possible. Donc, faudra faire gaffe. C'est fort possible qu'on ait un ours ici. Ok, il fait pas trop froid. Ça veut dire qu'on peut peut-être aller couper du bois. Non, d'abord, je voudrais aller vérifier ces grottes-là. À quoi ça sert? Enfin, qu'est-ce qu'il y a des trucs dedans? D'abord, on va faire ça. Le bois. Par contre, le bruit du vent est vraiment relou dans ce tunnel. Bon, c'est normal, hein, parce que le vent s'engouffre dans le tunnel et tout, ça fait du bruit. Ça résonne et tout, mais c'est relou. Hein. C'est vraiment relou. Donc, on va un peu sprinter. Donc, toi, tu me dis que... Donc ça c'est le cerf. À la limite le cerf on s'en fout. Donc toi tu me dis qu'il y a une grotte pas loin. Ah là-bas tiens on a une maisonnette. Risque d'insomnie. Quoi? Ah oh, putain il y a encore du brouillard. Aïe aïe aïe. Ah oh, putain on voit rien. C'est reparti. Oh là là, on a on a rien, on n'a jamais eu de brouillard quand on était à l'aéroport. On sort de l'aéroport, c'est brouillard sur brouillard. Quoi. Je me demande si c'est fait exprès ou pas. Ah mon dieu, mon dieu. Ok. Il y en a des massettes.
Attends. Je voulais un peu explorer derrière là-bas, là. Mais vu qu'il y a du brouillard, on va pas se perdre. Sinon, on va être dans la merde. Donc, du coup, je voudrais quand même trouver la grotte, mais. Ah, la froid, du coup. Ouais. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, cette histoire. Starting to feel numb. Bon. On oublie notre exploration. On va se concentrer sur ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire du feu et du bois. Ouais, on oublie l'exploration, c'est pas grave. Là, il y a trop de... À la limite, ce qu'on pourrait faire... ce que je vais essayer de faire, c'est... Ah merde, mais c'est pas ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est... des tisanes pour qu'on se réchauffe. Comme ça, on peut rester peut-être un peu plus longtemps à l'extérieur. Et on fait le tour de l'île vite fait, mais ça va être relou. Alors, est-ce qu'on peut faire du bois vite fait? Cette chaise, à la limite. Alors ça, on touche pas. On va bouger la viande et tout ça. Oh mon Dieu. À combien de pourcentage? 46. Ça va aller. À la limite, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre un sac de couchage dans la descente. Et à chaque fois, dormir une heure. Il y a le lapin aussi à prendre. Dormir une heure en fait, on fait cuire, on dort une heure, on fait cuire, on dort une heure. Ça peut être une solution aussi, pour passer le temps et pour éviter d'avoir froid, d'avoir sommeil. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ça devrait aller. Du coup, j'ai envie de tester maintenant si on peut ou pas. Oh, so cold. Normalement, on est nickel, on est tranquille. Pas de problème de vent, rien. Protégé du vent en plus, donc il fait théoriquement plus chaud. T'as faim déjà? Sérieux? Ah ouais. Excusez-moi.
frère. Alors après, on peut peut-être raccommoder aussi. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Il y a quoi de raccommoder qui est important? Pas grand-chose en fait. On est quel niveau? 2. Je vais être honnête, le vent il est très fort, hein. Ça me donne mal, ça va me donner mal à la tête d'entendre ça là, trop longtemps, mais bon. Comme j'ai dit, on est bien mis quoi. Par contre, le nom a changé, parce que maintenant ça dit viande d'élan moisie, parce qu'elle est en dessous des 50%, normalement tout est en dessous des 50% maintenant. Mais en théorie, si on la fait cuire, ça va remonter. Ça va faire 50%. Donc en théorie, ça devrait être de la bonne viande, mais j'ai un peu peur. Mais bon, normalement, ça devrait être bon. Ah, on a bien froid, quand même. Il n'y a rien à faire à proximité en fait, c'est ça. Ça c'est un problème par contre. Il y a vraiment rien à faire à proximité. Ça, c'est un problème, ça. Ouais, on est bon. Ça va. Dans un sens, j'avais peur que ça change, en fait, le système. Pour faire cuire de la viande et tout ça, mais en fait, non. Une heure, très bien. Il va falloir faire de l'eau. D'accord que ça marche bien là. Si je me réveille que le feu est éteint, par contre là ça serait n'importe quoi. Oh mon Dieu, c'est une horreur ce bruit. Oh la vache, c'est une horreur ce bruit. Mon Dieu. Ah, ça par contre, ça va me donner mal à la tête.
Bon, en tout cas, il fait très froid dehors. Du coup, notre feu va durer longtemps. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Je sais pas quoi utiliser. Ça. Ah, très bien. Dormir une heure. Faut qu'on fasse de l'eau, parce qu'on a, on a quasiment plus d'eau. Ah ouais, non. Niveau feu, là, il tient très très longtemps. Il tient extrêmement longtemps. Ça, c'est bien. Ça. Il fait combien? Oh, moins 23. Ouais. Pas que ça y est, on est vraiment dans les... Genre le mois, après le mois... Ça doit faire au moins un mois, là, qu'on est dans le jeu. Non, ouais, 45 jours. Ouais, non, c'est après le premier mois, ça y est, hein, ça commence. Des gros froids. Ah, là. Même dans la neige, on y arrive. Même quand il neige. Vous voyez, ça, c'est être un chasseur. J'aime bien parce qu'en plus, il n'y a pas de vent à l'extérieur. Ça souffle pas du tout. C'est une horreur. Est-ce qu'il faut que je fasse un thé, moi? Ouais. Tu vas faire ça. Et... qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Un reishi. Bien. Je vais quasiment pas parler parce que ce vent il me tue le cerveau là. Attendez, on va déposer ça là. Pam pam. Vous vous rappelez une fois dans une des saisons, j'étais allé trop vite. Et j'ai cliqué deux fois, je crois, sur une viande crue et du coup je l'avais mangée. Et on est tombé malade et tout, c'était tellement la merde. C'est une catastrophe, quoi. Aïe aïe aïe. Oh, on est bien là. Moins 51, ça va?
incroyable. Ah, j'ai rien à faire. Par contre, un truc que je vais faire, c'est... ça... Un truc qui pourrait changer aussi, honnêtement j'essaierai de baisser le son pour quand je suis dans la grotte. J'espère que je vais y penser et tout ça parce que c'est vraiment très très fort. Je vais même baisser le son pour moi parce que là j'arrive plus à parler en fait. Je vais faire que gueuler. Un truc qui pourrait changer aussi, ce serait l'expérience qu'on gagne par rapport au type de viande qu'on fait cuire. Genre si par exemple on fait cuire de l'ours ou de l'élan, ben, on gagnerait plus d'expérience en cuisson. Je trouve que ça serait une bonne chose aussi. Parce que déjà c'est super long en fait. Plus c'est rare, on va dire, plus c'est gros, parce que tout ce qui est élan, ours et tout ça, c'est des gros steaks. Donc du coup on met beaucoup de temps à les faire cuire. Mais moi je dirais que vu qu'on passe plus de temps à faire cuire, on devrait récupérer plus d'expérience. Après je sais pas si ça fonctionne, mais enfin j'imagine que non, je pense que tout est la même chose. Mais ouais, il devrait faire un truc comme ça, ça pourrait être bien. Je trouve. Je trouve que ça pourrait être intéressant comme système. Là on en profite, hein. ça fait de l'expérience, c'est très safe. On récupère un tout petit peu de vie parce qu'on dort qu'une heure, c'est vraiment très peu. Mais bon, on le fait plusieurs fois. Notre feu il est complètement à l'extérieur, il y a une tempête, il fait très froid. Du coup il reste très longtemps aussi avec peu de bois. Ça aussi c'est bien. Donc là on en profite au max. Hein. Profite au max. Nickel. Et en plus, je crois que... Alors ça, il faudrait faire des tests. Je suis pas sûr. Mais je crois que le fait de dormir fonctionne mieux sur le temps du feu, en fait. C'est-à-dire qu'en théorie, les heures et les minutes passent plus lentement s'il fait froid. Mais je suis même pas sûr que le jeu calcule ça, en fait. Je pense qu'il le calcule seulement si on passe de temps ou on accélère le temps, en fait. Mais je suis pas complètement sûr de ça. On va tester. Ah, en tout cas, c'est nickel. Hein. En tout cas, c'est nickel. Il y a aussi une saison où ils avaient encore fait des bugs. Je me rappelle. C'était la sauvegarde du jeu. Je sais pas si vous vous rappelez. Pour ceux qui jouent depuis longtemps. La sauvegarde du jeu était buggée. Et quand ça sauvegardait, ça faisait... Genre, ça frisait le jeu et tout pendant au moins... 5 bonnes secondes. Mais vraiment, hein, 5 bonnes secondes.
Et c'était comme ça pendant, je crois, un petit mois. Je crois qu'ils ont mis du temps avant de corriger ça. Et qu'est-ce que c'était chiant. C'était une catastrophe. Genre, si vous sortiez et rentrez d'un bâtiment, en fait, ça sauvegarde quand vous rentrez dans un bâtiment. Donc, du coup, vous rentrez, freeze. Vous avez, genre, vous sortez, vous avez oublié quelque chose, vous rentrez dans le bâtiment, freeze. Oh là là, c'était une catastrophe. Le pire, c'est quand vous combattiez des loups gris, parce que les loups gris, en fait, vous attrapent pas, ils font pas d'animation à essayer de vous bouffer et tout ça. Ils vous passent à travers, en fait, ils vous mordillent, quoi, en gros. Et du coup, à chaque fois que vous faites une blessure dans le jeu, ça fait une sauvegarde. Et oh mon dieu, le pire c'était d'avoir ce problème là en fait, pendant un petit mois là, et de combattre des loups gris quoi. Oh mon dieu, le truc il vous passait à côté, il vous mordillait, ah hop, freeze de 5 secondes. Vous essayez de fuir, freeze, c'est trop trop bien. Oh là là. Ah c'était bien hein, cette époque là. Putain. Ah, il y en a eu des trucs sympas dans The Long Dark. Hein. Des problèmes et tout ça, quoi. Bon, ben voilà, on a tout... faire de l'eau maintenant. Alors, on fait voir un peu ça. Cuisine. Ah, on est à 55% de la barre, je dirais. Ah bah, c'est pas mal. Pas mal. C'est pas si mal. Ah merde, j'ai pas vu que c'était un 1 kilo aussi. J'aurais dû manger celui-là à la place. Bah, c'est pas grave. Alors, on a tout ça. Ouais, ça va, on en a pendant un petit moment. C'est bête qu'on ait rien à préparer là. Là en fait on attend les 15 minutes à chaque fois. Enfin deux fois 15 minutes j'ai envie de dire. J'aurais bien voulu avoir des choses à préparer, des trucs à coudre. Au final on n'en a pas vraiment. Si on a, mais il nous faudrait des peaux de lapin en fait de prête. Genre là ça par exemple. Et la chapka aussi. Ouais, la chapka aussi ce serait bien. Il faudrait une fourrure et un boyau. Une fourrure et un boyau, on peut pas. Hein. On peut pas. Alors, regardez, c'est moins bruyant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ah non, il n'y a pas de boyau séché. Les peaux, si, mais je crois pas qu'on ait... Non, c'est tout de la même couleur. Hein. Est-ce qu'on avait des boyaux en dessous des peaux? Non. Non, non, il n'y a pas de... De toute façon, c'est 5 jours et les lapins, c'est quoi? C'est 3? 3. Ouais, donc c'est normal, du coup. Une chose bien, ça serait qu'ils nous disent combien de temps il reste. Bon après on peut le faire avec les pourcentages, genre par exemple là c'est 4 jours, on sait à 47, bon on sait que ça va faire plus ou moins 2 jours quoi. On peut le faire comme ça, mais bon. Ouais, merci. Bon, j'avoue pour le feu c'est pas mal cet endroit là, ce système là, ça va. C'est très utile.
merde. On va pouvoir le faire ou pas? Attends. Voilà, deux tisanes à 120 et après on a le thé. Bon, et ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Très bonne chose de faite. Très très bonne chose de faite. Ah, apparemment je vais faire un épisode qui va pas être trop long parce que je vais être honnête, ça m'a donné mal à la tête. Le bruit. Ça m'a bien donné mal à la tête. Le bruit du vent comme ça. Surtout que dans la grotte c'est super fort. Oh, on a déjà froid, quoi. Oh la vache. Ça, ça va vite, hein. Mon Dieu. Incroyable. Pas les trucs cachés au plafond. Boîte en carton. Ah putain, j'arrive à cibler des choses au plafond. Au-dessous, au-dessus. Ouais. Ah, bon. Que faire? Que faire, que faire? Je vais être honnête. Je pense qu'on va pas faire grand chose pendant un moment. Parce que je voudrais attendre que la peau de l'élan sèche. Je voudrais attendre que l'ours sèche. Je voudrais... Ouais, puis on a plein de viande. Le problème c'est que on a... Allez, on a combien de kilos de viande? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on a encore un bon 15 kilos, hein, même plus. Sûrement un peu plus de 15 kilos de viande. Donc je peux pas me balader avec 15 kilos de viande, en fait. Ça serait trop dangereux, déjà. Je vais être trop lourd. Ça serait 15 kilos de viande, plus les boyaux, plus toutes les peaux qu'il y a. Donc, c'est-à-dire tous les lapins, l'ours et l'élan. Et on est trop loin. On est nettement trop loin de l'aéroport, en fait. L'aéroport, il est... Il est genre là. Donc ouais, on peut pas. On est obligé de camper ici. On est complètement obligé de camper ici. C'est-à-dire manger la viande qu'on a. Passer le temps. Attendre que les peaux sèchent. En fait, non, c'est pas attendre que les peaux sèchent, surtout, c'est épuiser le stock de nourriture, en fait, qu'on a de côté. Je crois que c'est surtout ça. Parce que les peaux, de toute façon, on va pas pouvoir les travailler ici. Ça fait 1 kilo, et là, ça fait quoi? Pareil. 5 kilos, bah putain, fourreur d'élan fraîche, c'est 5 kilos. Ah, parce qu'il nous faut un établi, donc on est obligé de retourner à l'aéroport, de toute façon.
à l'aérodrome, à l'aéroport. On est quand même obligé d'y retourner. Je suis en train de réfléchir pendant qu'il y a la tempête. Donc ouais, le mieux, ça serait de, bah, de rester là le temps que ça sèche. Et puis, on espère en fait de temps en temps qu'il fasse beau. Et on fait le tour de la de l'île, parce qu'on n'a toujours pas fait le tour de l'île, hein, honnêtement. On a vraiment pas tout fait. On découvre quand même pas mal de choses. Il y a toujours une grotte à vérifier avec un cadavre ici. Il y a toujours un cadavre là. On peut même aller faire de la pêche. Donc autant rester là et vivre là pendant un petit moment. Alors après, est-ce que je... Ouais, je devrais peut-être zapper en fait des épisodes. Ouais. Maintenant que j'y pense. Parce que je l'ai déjà fait avant comme ça. Mais là, là c'est pareil. Là, en fait, on attend tout simplement. Ouais, je pense que je vais... Oups. Attendez, j'ai pu poser quoi, moi ? Merde. Ouais, je pense que je vais faire des pauses, enfin des ellipses, où je passe le temps tout simplement ici en fait, à farmer, faire les tours et tout ça. Parce que... Qu'est-ce que je vous montre là, hein? Je vous montre quoi? Ah, regardez le beau temps, trop bien. Non, il n'y a rien à vous montrer en fait. Même moi, ça commence à me... Enfin, c'est pas vraiment fun, quoi. On peut rien faire, quoi, c'est catastrophique. Y a rien à faire. 6, putain. J'ai pas fait attention combien de temps ça a duré, mais. Ah non, 10 minutes 2, pardon, putain, je suis con. Non, c'était sûrement 6 minutes, j'ai pas fait. J'ai regardé le mauvais endroit. Non, mais ouais, non, non, les prochains épisodes, je vais les zapper, parce que là, ça va être trop long et chiant, en fait. C'est même celui-là, honnêtement, dans un sens, je regrette. Enfin, non, dans celui-là, non, on a fait des trucs, on a trouvé un autre endroit pour faire du feu, on a tout cuit et tout ça, non, donc ça va. Celui-là, ça va, mais ouais, non, les prochains, il va falloir qu'on zappe un peu. Là, il n'y a rien d'intéressant qui se passe. Même moi, ça me saoule, en fait. Bon, bah on va faire ça. On va peut-être mettre fin à l'épisode un peu prématurément, parce que la tempête, elle veut pas se calmer. La tempête veut vraiment pas se calmer. Donc, la prochaine fois, je zapperai des trucs. Donc, moi, ce que je vais faire de mon côté, en gros, c'est d'essayer de vivre dans le périmètre. Peut-être, si ça se passe bien, j'irai voir la grotte et tout ça. J'irai voir un peu le périmètre aux alentours, un peu plus loin. Et bien sûr, je le prendrai en vidéo et je vous montrerai ce que j'ai fait. Mais le truc important, enfin la chose importante et l'aventure qu'on va se faire, ça va être de ramener toutes les peaux qui seront sèches. Donc ça, tous les boyaux et tout ça aussi. Et on va rentrer à l'aéroport. Et tout crafter. Donc nous, on craftera... Alors, on craftera donc la sacoche. Honnêtement, la sacoche, ça va augmenter de 5 kilos. C'est très très bien. En plus, c'est que 10 heures pour la faire, donc c'est vraiment bien. Alors après, on pourrait aussi faire une fourrure d'élan, parce qu'elle est pas mal. Elle est pas mal. Mais ouais, la sacoche est nettement plus intéressante. Donc on va faire la sacoche et après on va sûrement faire le manteau. Parce que vu les degrés qu'il y a, honnêtement, vu la, vu la catastrophe que c'est cet endroit maintenant pour pour les degrés. Enfin, et encore, je me demande si ça vaut vraiment le coup au final. Est-ce qu'on ne devrait pas faire le sac de couvetage plutôt ? Ah non, on sait rien. Non, 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 on va faire le manteau en peau d'ours. Non, non, on va faire le manteau en peau d'ours. 30 heures, oh la vache. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Dire quand je le faisais, c'était 60 heures avec ce couteau-là. Oh, oh putain, oh, je vais m'amuser. Honnêtement, ça m'avait pas manqué. Je vais être honnête, ça m'avait vraiment pas manqué. De faire des grands crafts comme ça, où ça prend plusieurs jours. Parce que là, 30 heures, c'est plusieurs jours. Hein, parce que c'est...
si vous arrivez à faire 10 heures par jour, ça dépend où est l'atelier, c'est déjà très bien, 10 heures par jour. Donc c'est minimum 3 jours. Parce que bah, la nuit, vous pouvez rien faire. Vous n'allez pas garder une lumière allumée pendant 20 heures non plus. Ouais, non, ça va être un peu abusé. C'est vrai que ça m'avait vraiment pas manqué du tout. Allez, on va s'arrêter là. À la prochaine. Et ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé. Faites attention à vous. Et yay. Oups, désolé, j'ai fait la page de Steam, pardon. Et la chance nous sourit un peu, ça va. On va dire qu'on est sans danger ici. On est sans danger, donc c'est une bonne chose. Allez, à la prochaine. On va se réveiller en pleine forme, c'est pas grave. Ciao, ciao.